Au calme sans pression, bienvenue mes amis dans cette petite vidéo. J'espère qu'elle sera courte, dans laquelle je vais répondre à une question qui m'a été posée dans une autre vidéo, c'est-à-dire dans le commentaire dans une autre vidéo, à savoir comment on cherche les objectifs, comment trouver les objectifs, comment placer un stop loss avec Ichimoku, avec du swing ou un intraday, en tout cas pas de scalping parce que je fais pas de scalping. Donc aujourd'hui nous sommes dimanche 9 et il est 18h55. Je vais essayer de répondre à cette question. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Je suis un peu malade aussi. Je suis un peu j'ai un petit rhume, donc on va essayer de faire avec, hein. Allez, donc c'est parti. Et là, nous sommes sur EURUSD mensuel. Donc, quand je fais du swing, moi, je commence par le mensuel. Je regarde comment c'est pour la tendance globale, on va dire, okay, le général. Et je regarde le nuage. Vous voyez, ici, là, j'ai fait un petit résumé, ici, vite fait. Hein. Ici, on regarde où se trouvent les prix par rapport au nuage et l'élévateur du nuage, à quelle distance sont les prix du support de résistance de Tekken Kijun, où se situe le nuage, la lagging span et quels sont les obstacles devant. Je vais essayer de faire tout ça. Je vais essayer de faire tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Okay. Et dans cette analyse, en fait, je vais mélanger les connaissances, c'est-à-dire ce que j'ai appris avec Madame Karen Pellual dans son livre. Parce que c'est comme ça que je fonctionne. Je mélange les deux, en fait, Madame Karen Pellual. Et aussi de Monsieur Patrick Reggae, parce que j'apprends avec ces deux personnes-là. Et je vous conseille de regarder leur vidéo sur YouTube, faire comme moi, acheter le livre de Madame Karen Pelloal, aller acheter la formation de Monsieur Patrick Riguet, pardon, pardon, pour aller plus vite. Moi, certes, j'ai pas acheté la formation, mais je suppose que c'est de la bombe, vu tout le contenu qu'il y a dans sa chaîne YouTube, et tout ce qu'il fait avec les revues de marché tous les mardis, c'est du top. Merci, Monsieur Patrick Riguet. Grâce à toi, on utilise Ichimoku. Et donc ici, moi, je vais faire l'analyse avec les deux. Je vais essayer de faire avec les deux visions. Je sais pas comment je peux dire ça. En tout cas, comment j'ai compris leur méthode, tous les deux. Voilà. Et vous pouvez me poser des questions sur les commentaires et j'y répondrai avec Ichimoku. Parce que c'est grâce à vos commentaires que je peux mettre des vidéos sur la chaîne, sinon, je ne sais pas. Bon, c'est parti. Donc ici, un mensuel. EURUSD, nous avons dit mensuel. Donc chaque bougie vaut un mois. Ça, tout le monde le sait. Premier lieu, on regarde le nuage. Là, on voit que le nuage est, voilà, changé de couleur, mais ça n'a pas vraiment d'importance, la couleur. C'est pas grave. Donc là, on va dire, allez, on est baissier, ok? Le nuage est baissier ici. On regarde, maintenant, on va regarder où sont les prix par rapport au nuage. Au nuage, là, on voit que le nuage ici, là, il est plutôt plat ici, ok? Par rapport à ici, là. Ici, on voit qu'il est orienté. Là, 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 ici, là, on voit que le nuage est orienté, ok? Ici, là, 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 à peu près ici, là, bon, là, il était baissier, ok. Mais là, par contre, là, non. Là, on voit, là, non, là. Là, c'est plat, ici, il est plat. Comme il était ici, c'était plat aussi. Donc, c'est plat, c'est plat, c'est plat, c'est plat. Ici, c'est plat. Ici c'est plat, donc quand le nuage est plat comme ça, tout le monde le sait, ça veut dire qu'il n'y a pas, c'est l'équilibre, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de tendance.
Donc, nous avons cela en mensuel. Maintenant, on va regarder où sont les prix en fonction du nuage. Et là, on constate que les prix sont en bas, vous voyez, c'est en bas du nuage ici. Et surtout, c'est avec maintenant cette Kijun. Ouais, cette Kijun, on voit que ici, il y a 2 mois, parce que là, on est sur le mois actuel. Et là, c'est le mois précédent. Et là, ici, là, ça a été cassé, sa clôture en bas, donc ça donnait un signal baissier. Donc, on allait chercher cette Kijun qui est ici, et ça donnait un signal baissier. Le mois suivant, on a été chercher la Kijun qui est en bas ici. Et ce mois-ci, nous sommes ici, nous avons fait un doji ici là. Donc là, on essaie de recasser la Kijun pour donner un signal baissier. Voilà. Et ici, la lagging span, il est libre. Il n'y a rien qui l'empêcherait de monter ici à part cette Kijun qui est là. Okay, donc nous avons cette idée là. Maintenant, on va passer à weekly. Et en weekly, c'est-à-dire ici maintenant, chaque bougie japonaise vaut 1 semaine. Donc on voit, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici que la Kijun que nous avons vue en mensuel ici, c'est une grosse SSB, SSB qui est là. C'est une grosse SSB. En plus, il est long. Hein? Cette support là. Elle est longue. Donc, ça va compter fort fort. En plus de cela, il y a une Kijun. Vous voyez, il y a des Kijun partout. Il y a une Kijun ici, une Kijun là, et bim, SSB. Donc, cette zone est très importante. Nous sommes sur les combien là? C'est les... Voilà, c'est 1.100. Voilà, vous voyez ici, il y a tout à droite. 12,80. Donc nous sommes là. Donc c'est venu tester une fois, après boum, c'est vite remonté, et mais on n'arrive pas à dépasser cette quinzaine qui est, et en plus de cela il y a une qui en plus de cela il y a une qui ici, et donc c'est cette Kijun qui est là, ici là. Et donc là, en weekly, on voit que nous avons les prix sont bloqués par une Tenkan-sen ici. Donc on va matérialiser cette Tenkan-sen qui est là. Okay, on va mettre en rouge. En rouge, donc c'est la Tenkan-sen. Donc on sait, si on passe la Tenkan-sen, on aura une Kijun ici. Mais après cela, si on n'arrive pas à casser cette Kijun, on aura ça comme objectif. Nous avons cette Kijun qui est là. On aura cette zone comme objectif. Donc, premier lieu, il faut casser cette Tenkan-sen, et après on aura cette Kijun qui est là. Et après, si on casse, là, on sera libre de venir chercher cette Kijun qui est là. Et c'est les combien? 1,15,360, on va dire. OK? Donc, on aura ça comme, ça, ce sont les TP qu'on va chercher dans les jours qui viennent. Ah bon, si on casse cette zone-là, parce que ça, c'était notre objectif depuis la semaine dernière, c'est notre objectif. On voit ici, ça clôturait en haut, là, on n'est pas venu chercher cette zone-là. Donc, pourquoi pas venir les chercher après, c'est-à-dire après un petit pullback ici, là, sur cette Kijun. Pourquoi pas faire comme ça et venir chercher ça après. En sachant qu'en mensuel ici, OK, nous avons notre tendance baissière ici, hein. Donc pour revenir chercher là, et puis que cette tendance baissière reprenne ses droits, OK,
ça serait pas bête, bête. Après, de voir l'inquiétude qui est là. Pourquoi pas? Et donc, en Angèle, nous avons cette idée-là. Si on casse, attendez, si on casse cette quinzaine, ok, on aura comme objectif cette Kijun qui est là. Et si on casse cette Kijun après, ça, c'est autre chose. On va, bien sûr, on viendra chercher tout ça après, de toute façon, il y a un petit Kijun, il y a un petit Kijun qui est là. Ok, il y a un petit Kijun qui est là. Et après, voilà. Mais après ça, c'est autre chose. De toute façon, pour les chartistes, ils verront ici épaule, tête, épaule. Mais moi, je connais pas ça. Je connais pas ça encore. Donc, je m'en fiche un peu de ça. Je regarde pas encore. Donc, je ne regarde que la, Ichimoku. Donc, moi, j'ai cette idée-là. Si ça casse cette Tekken-sen, moi, je vais chercher cette, Kijun qui est là. Donc, moi, je vais tout simplement supprimer tout ça. Supprimer tout ça. Donc, je vais garder que ça. Après, maintenant, je vais passer à un daily. Et là, un daily, on est tranquillement tranquille. Un daily, on voit que les prix, comment on peut dire, test, ok. Cette zone-là, cette résistance qui est là, qui est notre Tenkan-sen de weekly, ici. Ok. Et s'il casse en clôture ici, ok, on peut se dire, ok, on entre en position, on va chercher notre Kijun là-haut, mais bon, ici, on va affiner un peu tout ça, on va descendre là, parce que là, nous avons Kijun qui est là, Kijun, 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 et là, SSB, donc c'est une zone très très forte. Donc les prix, s'ils cassent là, ils peuvent venir là et batailler un peu, et puis replonger, redescendre, venir chercher notre SSB, weekly ici. Sinon, ça casse, on viendra chercher. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois. Mais bon, bien sûr, avec le climat, politique, tout ça, les géopolitiques, tout ça, ça peut être la merde. Donc là, après, nous avons aussi une Kijun ici, yes, Tenkan-sen ici, donc les deux, ça nous fait un petit tour. Résistance ici. Donc, on aura ça comme objectif, premier objectif, après deuxième objectif. Ok, sinon TP, TP, après TP, mais si ça sort d'ici, bon, voilà, ça sera le jackpot après, doucement, doucement, petit à petit. Et après cela, moi je viendrai en H4, en H4, pourquoi en H4? En H4 pour prendre la position, donc là, moi j'ai mes résistances, résistance ici, support ici, support, support, mais ça ce sont mes objectifs. C'est tout simplement, voilà. C'est con, bête, comme ça, que, voilà, on cherche les objectifs. Ici, en weekly, surtout, c'était pour juste pour voir la tendance globale, on va dire. Ok, et là, nous avons notre idée, nous avons vu cette Tenkan-sen, ok. Sur les cas, on va chercher cette Kijun. Voilà, notre idée, tranquille, okay. On se casse pas trop la tête. Après, on vient sur Daily. On surveille, on attend, on attend, on attend, on attend. C'est comme ça, c'est. Il faut patienter, c'est tout. Sinon, il faut pas faire du trading. C'est tout. Et donc là, peut-être que les prix peuvent bien descendre ici. Cette Kijun qui est là, qui nous donne aussi une zone de support. Ok. Tant que. Oula. En daily, tant que cette zone tienne, ok, tant que cette zone résiste, ok, moi je serai en achat. Voilà, tant que cette zone résiste ici, moi je serai en achat pour pourquoi pas venir jusqu'à casser ici, venir chercher mes objectifs en haut ici. Par contre, si cette zone casse et cette trendline casse aussi, là, tout. Je dégage, ok, et là je vais chercher à faire des ventes pour venir chercher mon je sais pas ça, SSB qui est là.
Mais si ça ne casse pas, si cette zone ne casse pas, moi je reste sur un achat toujours. Donc les prix peuvent, ils peuvent descendre, ils peuvent, ok, venir là. Mais s'ils cassent pas, je verrai ce que ça va donner après, hein. S'ils cassent pas, après, on peut bien faire ça, entrer ici. Tranquillement, tranquille. Mais si ça casse cette zone, ça casse cette résistance qui est là, là, il faut oublier cet achat et là, ça va partir en cacahuète. Là, on va surtout simplement venir chercher cette SSB. OK? Non, voilà, c'est fini, c'est tout. Et ici, un H4, c'est pour prendre la position, en fait. Ici, vous voyez ici un H4, vous pouvez bien voir que cette zone, la zone ici, un daily que nous avons, ici, il y avait cette zone ici qui est Kijun. Kijun, ici, nous avons matérialisé cette zone, avec cette couleur bleue ici. OK. Et là, on voit que c'est une zone de nuage plat ici, ça. Donc si ça casse, ok, si ça casse, ça viendra tester cette résistance ici, résistance, pardon, ligne de tendance ici. Et si ça casse, ok, ça part en cacahuète. On va suivre et bim bim. Et si ça ne casse pas, là c'est cool pour nous, donc on va tenter aussi des achats. Tant que cette zone n'est pas cassée, cette trendline ici n'est pas cassée, moi je reste toujours en achat. Ok, je vais prendre la fois. Ok. Et si ça casse, ben, ça sera une vente. Voilà. Mais après, bien sûr, pour anticiper, il y a un système d'anticipation. Mais c'est pas trop cool, hein. Il faut attendre les validations en H4 pour être en position tranquillement, tranquille. Mais sinon, on peut anticiper tout cela à M15, mais c'est un peu chaud. Ok, mais ça se fait. Donc en même temps, si ça casse ici en clôture, bien sûr, tout ça c'est en clôture, bien sûr, ok. Et pardonnez-moi, je regarde, il est 17 minutes déjà à papoter, que du n'importe quoi, blablabla. Donc là, il faut que ça clôture en haut. Si ça clôture en bas, ça compte pas. Moi, je vais pas entrer non plus parce que ça clôture en bas, genre pour une vente, venir chercher cette zone. Et par exemple, là, cette zone, oh là, il y a quand même 400 pour la prendre. Mais je vais pas faire ça. Ok? Ni ça, d'ailleurs, je vais pas le faire. Moi, j'aime trader sans pression, ok? Zen, ok? Zen attitude. Aucun sans pression, toujours. Donc, moi, je vais attendre, okay? Même si ça descend ici. Mais tant que j'ai pas un signal bien ferme, je fais rien du tout. Et après, ici, un 15, c'est pour anticiper, en fait. Mais ça, c'est un peu chaud, c'est un peu chaud. Là, tu anticipes ici. Par exemple, on voit ici, nous avons un doji pierre tombale bizarre, là. Donc, ça peut venir chercher cette kijun qui est là, après remonter. Mais moi, je n'entrerai pas en position jusqu'à ce que ça casse bien, 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 comme il faut, cette zone, ok, cette résistance ici, en clôture ici, et que, mais pas que, hein, et que Kijun aussi soutienne les prix ici, comme ça fait un petit pullback sur Kijun en haut ici. Dessus-là, il faut que Kijun remonte un peu, hein, à peu près là, à peu près. Après, les prix, ils me fassent oula, c'est quoi le bordel? Les prix mais face un petit truc genre même si tu comme ça après ça monte, mais moi j'ai pas fait le pullback ici là, et c'est qui du remonte jusqu'ici là à peu près, là j'ai pas un pullback ici et tenter de anticiper ici comme ça j'aurai le ratio, ok. 1 pour 2 minimum, et c'est cool d'avoir 1 pour 3, ok, ou 3 pour 1, 2 pour 1, comme vous voulez. Donc je viendrai chercher ça en premier. Et c'est le combien là? 1,14628 ici, ok.
Et après cela, si ça casse, nous avons notre deuxième TP ici. Et arrivé ici, vous voyez, arrivé ici, c'est notre kit jaune qui est en weekly. Et SSB en daily, donc c'est une zone à garder en tête. Okay, c'est une zone à surveiller quand même, pas faire n'importe quoi. Donc moi, je... Voilà, donc c'est terminé, voilà, c'est du vite fait.